Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, je te le redis ici, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, eh bien écoute, si rien ne te parle, sache prendre du recul sur ta propre situation et de ne pas forcer les choses, tu risquerais de te faire du mal. Et je te le rappelle, cela n'est pas le but. Le but, c'est simplement de te guider et te donner des signes. Voilà. Les amis, pour ceux et celles aussi qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Un vendredi complet, samedi matin aussi. Il me reste plus qu'une place fin de matinée et il me reste de la place encore pour l'après-midi. Mais le soir, c'est... Ben, le soir, c'est plein aussi, je crois. Il me semble, hein. Voilà les amis, j'ai une bonne, voire très bonne nouvelle à t'annoncer. Alors pour vous, je ne sais pas, mais en tous les cas pour moi, c'est bellissima de toute beauté. On adore. N'oublie jamais, grand jamais, que nous sommes plus libres que nous le pensons. Ça, c'est une certitude. Plus tu travailleras, plus tu te rendras compte. Voilà, les amis. Allez, je te le dis, j'arrête de te faire languir. Voilà, samedi dernier, j'ai envoyé ma démission. Donc, j'ai un préavis de 1 mois. Et c'est-à-dire que le lundi 17 juillet, je serai libre, tout libre. Magnifique. Voilà, j'ai sauté le pas. Oser comme moi, les amis, c'est important. Il faut savoir oser, il faut savoir actionner les choses. Malgré qu'il y a peut-être derrière des échecs, en tous les cas, ces échecs-là vont te permettre de te relever, d'acquérir aussi une forme de force en toi, à laquelle peut-être que tu ne pensais pas avoir, une forme aussi de confiance en soi. Voilà, certes, c'est un cap à passer, mais je t'assure, à chaque fois, toutes les actions que tu mettras en place se finiront par des victoires. Voilà les amis, donc je suis vraiment, vraiment toute contente, toute excitée. Voilà, enfin, j'ai sauté le pas. Nouvelle aventure qui m'attend. Donc forcément, tu l'auras bien compris ou comprise que je serai de plus en plus sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok et YouTube, surtout sur ma deuxième chaîne de l'univers qui me tient tant à cœur. Et puis, je serai plus libre aussi pour les guidances privées la semaine. Hein, voilà, parce que j'en faisais déjà les soir, hein, mais beaucoup de demandes et malheureusement certaines je pouvais pas. Ça sert à rien de promettre si on ne peut pas. Voilà, donc voilà les amis, on va y aller. Voilà les nouvelles, donc je suis vraiment contente, j'ai encore du mal à réaliser, je pense que je réaliserai plus. Bon, on fait ça le vendredi 7 avec des copines et tout ça, mais je réaliserai plus le lundi 17, puisque ce sera mon dernier jour au soir. Voilà les amis, je suis vraiment trop contente. Voilà, donc une nouvelle vie, nouveau départ pour moi. Et on verra ce que ça donne, mais au moins j'ose. Et je préfère oser que regretter de stagner et de ne pas avancer. Et puis que le temps passe, on est bien d'accord. Bref, allez Oligo, ici nous avons le miroir magique, magnétique, ce que tu veux. En tous les cas, ici ce que j'entends, y a un effet ici de lumière, de clarté ici, effectivement. Et une meilleure acceptation de soi aussi, j'entends. Une meilleure acceptation de soi ou de l'autre aussi, hein, hein, de savoir pourquoi il ou elle a fait ça comme ça, pourquoi on m'a émis du chagrin. De la distance, de la fuite. Regardez, en tous les cas, il y a une joie qui arrive vers toi. Il y a une joie qui arrive vers toi. Il y a quelqu'un ici qui va se déplacer. Il y a quelqu'un, on le redit encore, mais effectivement, ici, c'est quelqu'un qui a pris encore, c'est fou, c'est comme TikTok, une prise de conscience qu'il faut agir. Ben, je venais de vous en dire un instant au niveau de moi-même, les actions. Il faut agir ici. Hein. Il y a possibilité aussi qu'entre toi et cette personne, vous sentez qu'il y a un côté magnétique, il y a un côté aimant, il y a un côté... tu m'attires, je t'attire, tu m'attires. Et c'est comme si tu as l'impression que tu es sa cible et elle est ta cible, hein, tu vois. Il y,
y a vraiment de cet ordre-là. Mais en tous les cas, c'est quelque chose à laquelle il y aura vraiment une joie entre vous. Et je ressens ici, c'est dès lors qu'on va libérer l'expression qu'il y aura réellement une joie de ta part ou de sa part, ou mutuelle, hein, peu importe. Et c'est quelque chose à laquelle... au départ, vous allez avoir du mal à réaliser, hein, comme moi ma démission d'ailleurs, hein, mais avec le fil du temps, eh bien, hein, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, tous les deux, vous étiez déjà bien liés et vous pouvez avancer main dans la main, mais avec une forme de rapidité. Alors ici, on parle du prénom Félicité. Alors ça peut être soit le prénom Félicité, ça peut être simplement peut-être une fête, ou je ne sais pas. On parle de fête ou du prénom Félicité. Ou peut-être beaucoup de gens vont te féliciter tout simplement, hein, voilà. Parce qu'on va voir que tu es radieux ou radieuse, hein. Tu respires le pur bonheur avec cette personne et tu as osé de passer ce nouveau cap d'un nouveau départ aussi. Ici, on nous parle de Victoire. Ah ben, bien entendu, on nous parle aussi du prénom Victoire ici, tu vois, on me le dit en canal. On me reparle ici de Victoire ou alors le surnom, ça peut être Vic aussi, hein, Vic. Alors, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers toi et c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la réussite et le succès ici, hein, de l'ordre de la réussite et du succès. Et c'est quelqu'un, en fait, qui va venir, mais au tout départ, qui sera assez, elle sera ou il sera assez fébrile, on me dit, hein. Il y a quelque chose ici, on n'est vraiment pas sûr. Puis tu sais, c'est comme si on marchait sur des œufs quand on va venir. Mais dès lors que il y a des choses qui vont sortir du tac au tac et toi-même, tu vas y répondre aussi en tant que tac au tac. C'est-à-dire que ça va y aller. C'est comme si c'était un soulagement et tu vas même pas pouvoir te contrôler. Ça va sortir tout seul de ta bouche. Et bien finalement, c'est quelque chose qui va le ou la rassurer. Et là, ça va émaner en vous une meilleure confiance en soi et d'avancement. Oui, il y a lâcher prise plus. Et en plus de ça, c'est le cas de le dire, c'est quelque chose qui est bien ancré, hein. Il y a eu le temps, hein, il y a eu le temps qui a fait que vous avez bien compris. On vous a bien donné certains signes, l'univers t'a donné certains signes. Tu les as peut-être bien réceptionnés, tu as peut-être bien compris les choses. Tu as peut-être aussi été dans une forme de patience. Alors certes, dure, mais de la patience quand même en toi. Et on nous dit ici, hein, voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, le lien qu'il y a entre vous de connexion magnétique, de ton autre, finalement, le temps est arrivé, hein, le temps est venu. Hein. Oui, alors il y a possibilité aussi que c'est quelque chose à laquelle, comme je te disais tout à l'heure, hein, on aimerait s'enlacer, on aimerait s'entrelacer. Alors, j'allais pas jusqu'à la sexualité, on est bien d'accord. Parce que là, vous allez venir, madame, ma petite plume, tu es un petit peu cochonne. Non, j'allais pas jusque-là, mais pour certaines, effectivement, il y a réellement une connexion qui ira jusqu'à la sexualité. Et j'ai envie de te dire, ça fait partie de la vie, et encore heureux que il y a pas que le mode de vie de tous les jours qui va bien, qui a les deux, parce que la sexualité est importante aussi. Hein, c'est les mélanges, c'est les ressentis, c'est la complicité. Voilà, la sexualité, c'est tout ça aussi. Hein. Et oui, on nous dit ici, regardez, il y avait une séparation, hein. Alors, il y avait une séparation, mais sous la séparation, il y a la victoire. Moi, je pense pas trop la séparation ici. Je pense plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une distanciation, un break ou quelque chose qui a fait que vous deviez, c'était nécessaire, c'était devenu une nécessité de s'éloigner parce qu'il y en avait un des deux qui était pas prêt ou prête, hein. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui ne t'a jamais oublié, qui a toujours eu des pensées, qui a toujours eu d'attirance, qui a toujours voulu faire les choses, mais qui a été bloqué, qui a été bloqué, hein, c'est tout. Hein. Oui, qui a été bloqué, on nous parle d'étranger ici. Hein. Alors, c'est quelqu'un aussi qu'on nous dit, il y a la possibilité, que ce soit toi ou ton autre, il y a une notion ici, on aime voyager. On aime voyager, on aime peut-être partir aussi à l'étranger, ou tout simplement, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est de religion étrangère à la tienne, et à laquelle aussi, au jour d'aujourd'hui, tu t'es toujours demandé
Qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre? Et ça t'a toujours, toujours paru étrange. C'est-à-dire que un coup, tu te dis, attends, mais c'est quand même bizarre avec tout ce que j'ai et tout. Oui, c'est ça, c'est elle, c'est lui. Et puis après, ton cerveau reprenait le contrôle sur toi et ton mental aussi, et ça fusait. Et puis, oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. On n'est pas de la même structure, on n'est pas du même monde, on n'est pas du. Enfin, voilà. Et finalement, voilà, on te dit qu'ici, non. Même si. Effectivement, vous n'êtes pas de la même religion, vous n'êtes pas de la même façon, les mêmes façons de vivre, pardon, ou la même couleur de peau. Eh bien, on te dit, il faut savoir que tu sois là ou avec un étranger, peu importe, hein, tout se mélange. Hein. C'est le monde, ça appartient au monde, les mélanges. Hein. Et aussi de ce qu'on t'apprend, ça appartient au monde. Alors, on nous parle ici de famille, peut-être famille recomposée. On nous parle aussi peut-être que, hein, alors selon les âges que tu as, mais créer une famille ensemble, hein, d'accord? Ou tout simplement, il y a quelque chose de antérieur, hein, vie antérieure. On nous annonce ici une forme de réussite, de succès, hein. Ici, c'est un grand oui. Il y a quelque chose à laquelle vous allez bien vous retrouver et vous allez. Aussitôt dit, aussitôt fait d'avoir une connexion, mais inimaginable, on me dit, inimaginable, à laquelle cela va rendre encore une forme d'abondance, mais dans toute situation ici. Hein. Mais on me redit ici, hein, c'est ce break, c'est cette distanciation, c'est cette séparation qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu es prête, il est prêt. Vice-versa selon ta polarité, je te le rappelle, et à laquelle c'est comme ça que vous avez avancé, c'est comme ça que vous allez pouvoir être ensemble, mais sans échec, sans à nouveau séparation ou distanciation ici. Hein. Alors attention, il y aura beaucoup des pourparlers, hein, comme d'habitude, il y aura beaucoup des pourparlers. Alors ça peut être des pourparlers entre vous ou tout simplement autour de vous, d'accord? Il y a possibilité qu'ici, qu'il y a une forme de jalousie de ce que vous allez émaner avec l'autre. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, en guidance? Oui, maintenant, est-ce que tu pourras signer? Oui, je signerai, mon amour. T'es tout nu, maman? Moi tout? Ah bah non, tu montres pas que t'es tout nu, hein. Fais-moi un bisou d'amour, mais doucement. Attends. Tu dis madame, monsieur. Ouais, fais-moi un bisou. Pour Matisse, je serai là pour parce que le papa il va m'emmener. Moi, je t'aime. Il Allez, va ferme. m'emmener au spectacle. Ouais, ferme la porte, mon cœur. Aussi, maman, il faut mon cahier. Il faut mon cahier de santé. Oui, mon cœur d'amour. Non, ton carnet de santé? Oui. Ah, faut qu'on. J'ai. Ouais, d'accord, attends, allez. À tout à l'heure, mon amour. Bon, excusez-moi. Allez, donc là je vous disais, voilà, hein, en tous les cas entre vous, il y aura beaucoup de discussions, des choses à laquelle vous allez expliquer de quel était votre passage pendant que vous étiez éloignés de l'un de l'autre, les ressentis, les pensées, les périodes à laquelle vous étiez plutôt en bas ou en haut, ou ce que vous ressentiez, etc. Mais pas que, je le redis ici, attention, hein, il y aura beaucoup de regards. Il y aura beaucoup de regards. Allez, s'il vous plaît. Alors, on nous dit bien ici, c'est de l'ordre de la gestation, mais pas que, hein, ça peut venir ici. Et puis, on nous dit, il y a bel et bien un changement qui arrive, de l'abondance ici, d'accord? Pas d'inquiétude pour ceux et celles qui veulent s'inquiéter pour l'argent. On arrête de s'inquiéter. Si on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on procrastine. Et c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, vous remettez toujours au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. D'accord? Ça, faites vraiment attention parce que j'ai été de celle-ci. Et je peux vous assurer, toujours à remettre au lendemain. Rien n'est fait et le temps passe et plus ça nous bloque. Donc, il faut agir. Ici, on vous dit, oui, hein, réellement, il y a un amour inconditionnel entre toi et cette personne. Il y a une réelle réussite. Il y a un réel partage, il y a un réel projet, main dans la main. Et ici, tu vois, tu es ici, toi, hein, consultante. Donc, il y a vraiment un amour et tu le mérites, hein, tu le mérites ici. Hein. C'est quelque chose à laquelle que tu mérites. Hein. Oh non, c'est trop. Pas bon.
On va prendre tout ça. Vous inquiétez pas, si ça doit ressortir, ça ressortira. Non, parce que là, quand il y en a trop comme ça... Alors, attendez, est-ce que ça se trouve qu'on me dit d'arrêter avec celui-ci? Oh là là! Il y en a à Baba Red. Oups! Ici, on nous dit, c'est quelque chose à laquelle vous rêviez. Hein. Vous rêvez de votre autre, pardon, votre autre rêve de vous constamment. C'est quelque chose que vous rêviez et vous allez voir comme ça prend forme. Vous allez pas y croire au départ. Hein. Et puis regardez, il y a vraiment l'effet boomerang ici. Hein. Vous voyez le côté yin et yang. Donc on est bien aligné qu'au départ, vous ne l'étiez pas ou il ou elle ne l'était pas. D'accord. La polarité est vraiment bien ici. D'accord. Il y a vraiment des regards et on fait demi-tour. C'est quelqu'un qui va faire demi-tour et qui est prêt ou prête. Hein. D'accord. Voilà, on revient vers la communication. Différentes communications. Hein. Ça peut être téléphone, email, lettres, SMS, enfin bon, bref, hein, tu sais, hein, différents réseaux sociaux aussi. Hein. Mais vous vous correspondez, hein, c'est ton masculin, c'est tu es sa féminine, point, c'est tout, c'est comme ça. Ici, on nous parle bien, ici, il y aura des contrats, des négociations entre vous. Dès lors que vous allez comprendre les choses, vous allez mettre quand même certaines choses en place, il est nécessaire. Non, 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 ça suffit là, les enfants. Oui, mais cherche la prise. Non, non, il n'y a pas de prise, mon chéri. Ça suffit, parce qu'après, ça me coupe dans ma canal. Excusez-moi, là, les amis. Hein. Là, c'est un peu la débordade. Et puis, ici, regardez, hein, vous avez un état d'esprit plus clair. Peut-être aussi une intuition qui est assez haute et qui va grandir. Mais on nous dit aussi, attention, il y a encore des petites choses qui sont cachées, mais qui vous seront révélées. On nous dit aussi, faites attention quand même, peut-être que tu fais beaucoup, beaucoup appel aux voyants, voyantes ou tout autre. Attention de pas trop forcer les choses et surtout, j'entends ici à ton émotionnel, fais attention parce que après tu crois tout et n'importe quoi et c'est pas quelque chose qui est favorable à toi-même, d'accord? Toi qui me regardes, regardez hein, ici... J'ai l'échec, pardon, échec, mais j'entends échec et mat. Échec et mat pour toi, il y a quelque chose. On me dit ici, pour certaines personnes, vous allez vous dire échec et mat. Pourquoi? Parce que vous avez eu la patience, vous y avez toujours cru, bête et ongle. Et peut-être aussi que tu en as déjà parlé à quelqu'un qui t'a dit, mais arrête, c'est impossible, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est impossible, t'as pas de nouvelles, il te répond pas, elle te répond pas. Mais arrête, vous n'êtes pas du tout du même milieu, et patati, et patatin. Et toi, au fond de ton cœur, ton âme, tu savais que c'était elle ou lui. Et là, tu vois, au fond de toi, tu vas dire échec et mat. Échec et mat, tu vas te dire. Et pourquoi? Il y a un cadeau, une surprise qui arrive vers toi. Et regardez, c'est quelque chose à laquelle qui est ta destinée. Et regardez, hein, il y a possibilité que vous allez travailler ensemble, vous travaillez actuellement ensemble, vous allez mettre un projet de travailler ensemble, malgré... qu'il y aura une forme de protection au départ parce que, bon, voilà, on préfère se protéger, mais il y a vraiment le côté enfant intérieur qui va vraiment s'expanser. Hein, vous allez être connectés et en joie, bonheur, harmonie, tous les deux. Magnifique, de toute beauté. 1, 2, 3, on adore. Magnifique, barissimo. Voilà, les amis. Alors, on va passer à le normand. Je voulais vous dire aussi, les amis, dès lors que bah, forcément que mon préavis sera terminé, j'aurai forcément plus de temps, on est bien d'accord. Je vais mettre en place, c'est quelque chose à laquelle je trouve qu'il est important, je vais mettre en place des guidances tous les jours, mais c'est vraiment des guidances qui seront très 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 petites. Vraiment, c'est de l'ordre peut-être de 5-10 minutes et encore. C'est-à-dire que c'est des guidances qui s'appelleront les guidances du jour qui arrivent. Je trouve que cela pourrait vous aider et j'ai un oracle parfait pour ça. Je ne sais pas si je l'ai là. Et je trouve que ça pourrait même vous émettre des énergies positives pour commencer votre journée ou quand vous le savez la veille, parce que vous allez regarder la veille pour le lendemain. Ça, je l'indiquerai bien. Je trouve que c'est quelque chose à laquelle que quand tu te lèves le matin, je trouve que c'est la base de chez base, déjà, de te dire des mots positifs, déjà, et pour que ta journée soit bonne. Et des fois, ben, y a des personnes qui ont mal dormi, ou alors ils ont des petits soucis. Et du coup,
C'est comme ça que vous enchaînez avec pensées négatives, paroles négatives, etc. Et comme ça, votre journée, elle est, ben, excusez-moi du terme, mais pourrie. Parce que vous restez dans ces énergies-là. D'accord? Ben, dites-moi en commentaire si ça te convient. Parce que c'est la base aussi, hein, si ça vous plaît. Et puis voilà, de ce que je vais mettre en place. Et après, effectivement, j'ai pensé aussi, c'est quelque chose à laquelle je n'y sentais pas jusqu'à maintenant, depuis 2 ans que j'ai mes chaînes. Mais comme là, j'aurai plus de temps, dites-moi aussi si ça vous intéresse que je me mette aussi à faire les guidances générales, mais avec les signes astro. Voilà. Voilà, les amis. Ok, allez, on y go. On continue, s'il vous plaît, des messages clairs, précis, just, please. Wouh, ça purr. Regardez, ici, nous avons la carte 5. Donc ici, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous allez, on va vous faire voyager. Il va, elle va te faire voyager ou tu vas le faire voyager. C'est-à-dire que vous êtes tellement bien ancré. Vous allez que vous regarder. Il n'y aura que plus que vous. Pardon, j'arrive plus à parler français. Il n'y aura plus que vous qui respirez le bonheur. C'est-à-dire que vous allez voir plus personne autour de vous. Vous êtes bien aligné. Votre vie va devenir un arc-en-ciel, comme si vos chakras étaient bien alignés, bien ancrés, bien nettoyés. Magnifique. Mais attention, parce que je ressens ici, il y a des personnes qui rencontrent une troisième personne ou une personne néfaste, en tous les cas, tierce personne. Vous allez continuer à vous regarder, à vous yeuxter, mais il y a une notion ici, attention, il y a une tierce personne qui est pire, hein, qui est pire. Eh ben oui, ben regardez, ici, il y a quelque chose à laquelle on sera rongé, on va être rongé, on va être rongé par quelqu'un, par cette troisième personne, ou alors quelque chose qui va nous travailler sur ce lien. Alors, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît. Bon, voilà, ben il y a une invitation, hein, déjà. Il y a une invitation. Alors, c'est la fleur arôme. Mais ça s'écrit arume, si j'ai bien compris que vous m'avez laissé un message. Oui, c'est tout ce qui est paix, pureté, hein, la grâce aussi, je trouve. Hein. Effectivement, j'en ai aussi dans mon salon de ces fleurs. Hein, magnifique, j'adore. Hein. Ici, pour moi, il y a une invitation, regardez. Hein. Il y a vraiment une invitation, mais avec le temps, autant. On va vous demander encore un peu une notion de temps, même si votre lien va prendre forme. Il y a possibilité que ce soit encore quelqu'un qui sera engagé ou toi, tu seras déjà engagé, à laquelle faudra faire face. Ça va se décanter à la suite, mais je ressens aussi que là, il y aura une demande d'engagement plus tard. Vous prenez ce qui résonne en vous, les amis. Hein. Ben oui, regardez, il y a vraiment quelque chose ici avec rapidité. Hein. Avec le couteau et l'abondance. Hein. Donc moi, pour moi, ici, allez, on coupe ce qui nous ronge de l'intérieur. On va délivrer aussi quelque chose. On va aussi consommer. On va te consommer. Hein. Et on arrête avec les peurs. On arrête d'être rongé de l'intérieur. Et c'est quelque chose à laquelle qui sera avec rapidité. Parce que je te le répète ici, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris ou prise ou toi de même. Et à laquelle on n'osait pas actionner les choses de peur. Voilà, mais là il y a quelque chose ici avec rapidité qui se fait et il y a le blé, donc c'est une forme d'abondance ici, hein. Tout est lié. Hein. C'est quelqu'un ici aussi qui veut la paix avec toi, peut-être aussi un nouveau dialogue si vous connaissez. On me dit ici c'est quelqu'un aussi qui t'est fidèle et qui te sera fidèle si vous en doutez. Hein. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est bien ancré dans la matière. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même tenu, qui est tenu par sa compagne et sa conjointe, pour ceux et celles à qui ça parlera. Et du fait d'être tenu, j'ai l'impression qu'il peut pas, ou elle peut pas trop bouger. Il y a des peurs aussi parce que c'est des liens qui ont été quand même bien bien ancrés. Ça fait sûr, on me dit en canal, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. C'est sûr et certain, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Et du coup, ben, c'est comme le chien, hein, quand t'as perdu ta babale, ben, il est triste. Et le problème, c'est que c'est des personnes qui ont tellement vécu longtemps ensemble, hein, de quitter cette personne, c'est pas une notion d'être triste, c'est une notion d'être perdu. Ben, là, c'est pareil. Voilà.
ce qu'on me dit en canal. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va puiser de l'intérieur, hein, qui va essayer de retrouver sa lumière divine, son état d'esprit, mais avec clarté et non procrastination, d'accord? Et non des peurs aussi, hein, je vous le répète, échec et mat aussi. C'est quelqu'un aussi, hein, peut-être, qui a un ancien puits chez lui, on me dit. Qu'un puits, qu'habite derrière un puits. Et puis ici, on nous dit, il y a vraiment de très très belles opportunités qui arrivent, des opportunités nouvelles d'engagement, différents engagements. Et c'est quelque chose qui est bien ancré dans la matière, d'accord? Faut que je regarde le temps. Oh oui, l'abondance. Et vous voyez, on a encore trois poissons ici. Alors moi, ce que je ressens ici, effectivement, il y a vraiment une grande abondance qui arrive vers toi, avec rapidité, je te le rappelle. Mais là, attention, je ressens que il y a deux personnes, donc c'est toi et ton autre. Mais il y a encore une troisième personne ici, hein. Attention, qui regarde du coin de l'œil. Et donc, c'est eux qui amèneraient peut-être de temps en temps encore un petit peu d'obstacles. Encore un petit peu d'obstacles. Et il faut encore du temps pour couper ce lien. Et aussi, je ressens, pour prendre de la hauteur. Prendre un taux vibratoire, un très très haute vibration et à laquelle on se sent bien avec qui on est. Et ne plus avoir de peur et réceptionner ce que l'on veut, hein, tout simplement. Ici, on a la carte 32, nous avons la lune. Alors, encore tout ce qui est un peu secret, mais qui va en finalité, se dévoiler ici. Hein. Ici, on a le labyrinthe. C'est vraiment quelque chose, ça me... Ouais, le labyrinthe, ok. Alors, on va rentrer et on va devoir faire un choix. Malgré qu'on a, on a été perdu, hein, donc de ce qui nous rongeait, on était perdu. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui doit faire face à deux femmes. Alors, selon la polarité qui t'intéresse, selon qui me regarde, c'est soit c'est... Tu penses à quelqu'un, cette personne, il va devoir faire un choix entre toi ou sa compagne. Ou c'est toi qui me regardes et tu vas devoir faire un choix entre ton compagnon et ton autre. Hein, d'accord? Tu interverses ceux qui te parlent. Mais en tous les cas, c'est toi qui choisis ou toi tu vas choisir quelqu'un d'autre que ton compagnon. C'est sûr. Ok, merci. Ici, on nous dit oui, effectivement, c'est quelqu'un ici qui va devoir fermer un livre. Hein, pour aller vers un nouveau départ. C'est un nouveau départ à laquelle il y aura une forme de protection et c'est protection divine ici. On nous dit ici possibilité de changement, de déménagement d'habitat, d'accord, mais à laquelle ça va nous ouvrir une nouvelle porte. Un nouveau départ. On dit un nouveau départ, nouvelle maison avec rayonnement, lumière divine et une invitation qui arrive ici. Hein. Il faut franchir, il faut quelqu'un qui va franchir le pas, le pont pour t'inviter. Il y a une invitation ici, d'accord? Et hein, la solution, elle est dans elle ou dans lui. Hein. D'accord? Allez les amis, hein, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et de t'abonner sur ma chaîne si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé. Il faut le savoir et il faut le dire. Mais ça fait grandement plaisir. Pour le plaisir. Non, 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 non. Non, 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 pour le plaisir. Voilà ce qu'on dit. Quelque chose pour le plaisir ici. Il y aura du désir en tous les cas. Plaisir, désir, désir, plaisir. Allez, s'il vous plaît, en finalité. Merci. Ici, on te dit le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. Le bonheur est parfois de regarder la vie autrement. On nous dit ici, effectivement, au niveau de ta vue, peut-être que tu ne vois pas encore au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe réellement? Ici, on nous dit ouvrir un sourire, une attention, ça n'a pas de prix. Moi, je pense qu'il va y avoir des sourires, il va y avoir du partage, il va y avoir un éclaircissement. Allez, s'il vous plaît, notre... Merci. Ose! Bah, voyez, qu'est-ce que je vous disais en début? Je ne sais pas si vous allez voir. Ose! Ça brille, ose. Et avec la lune, vous voyez? Donc, il y a quelqu'un qui ose ici. Hein. On ose. Et s'il vous plaît. Oh non, 4, 5, non.
Allez, je vais le mettre. Si ça doit revenir, ça reviendra. Pas d'inquiétude. Mais non, quand il y en a 5, 6, non, non. Merci. Allez, je ne crois... Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, bonté divine. Je ne crois à la vie qu'avec toi, Honoré de Balzac. Donc, c'est quelqu'un ici qui rêve à toi, qui pense à toi, qui regarde le ciel, les étoiles. Peut-être une étoile filante, il a peut-être prié. Alors, en tous les cas, c'est quelqu'un qui croit à la vie avec toi ou toi, tu crois à la vie avec une personne. Je ne sais pas si tu vois parce que ça brille. Allez, s'il vous plaît. Oh non, bon, je prends celle-là, mais pas les autres. Il y en a quatre encore. Nourris ton esprit. La vie est devant toi. Nourris ton esprit. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Non. Ils sont taquins, hein, c'est pas possible. Une dernière, please. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, on me dit, hein, il y a peut-être la possibilité que vous ayez un van où vous avez le projet d'acheter un van pour faire des balades, voyager. On parle de voyage avec un van. Détends-toi, profite de l'instant sans culpabiliser. Il y a des personnes peut-être ici, dès lors que ça va commencer votre lien, vous allez culpabiliser, on te dit, ça ne sert à rien. Détends-toi, ça ne sert à rien. Et puis, voilà, là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Osez. Voilà, je répète. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Sois volontaire de tes actes, de tes actions. C'est important, les amis, sincèrement. Allez, on passe au breloque et au pancarte. Je vais ramener l'œil. Allez, s'il vous plaît, évidemment. Hop. Et ici. Voilà. Alors, j'ai remarqué, vous avez l'œil, les amis. Vous avez l'œil. J'avais zappé. Quand j'ai rentré hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y avait bien un chiffre 6 qui était sur la table et je ne l'ai pas vu. Mais il y en a certaines m'ont dit ma petite plume, tu as oublié le chiffre 6. Eh bien, excusez-moi, les amis, j'ai vraiment l'oublié parce que je l'ai vu. Trop tard, mais je l'ai vu. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce ici? On nous parle de la saison d'automne ou depuis la saison d'automne. On nous dit. Regarde, l'homme ou la femme selon ta polarité qui t'intéresse, on nous parle d'examen, alors peut-être, je ressens ici avec examen, c'est quelqu'un qui te regarde au loin, qui t'examine, qui voit comment tu réagis, est-ce que tu le regardes, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe entre vous même de loin, à distance, et on nous parle de changement de poste, alors c'est soit toi qui vas changer de poste ou ton autre va changer de poste, tout simplement. Peut-être un poste aussi un petit peu plus en grade, on me dit. Il y a des personnes aussi, parce que tu vas changer de poste, ou de travail, ou de ta situation, d'où tu es aussi, hein, et ben c'est grâce à toi que le changement va pouvoir faire avec cet autre, parce que, mine de rien, et dans l'invisible ou pas, tu as su changer certaines choses de ton chemin de vie et à laquelle ton autre va pouvoir bouger, venir à toi. Ici, on nous parle du chiffre W. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et la lettre L, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons le chiffre 2. Voilà, tout ce qui est duel, dualité, tout ce qui est... bienveillant aussi, faut pas l'oublier, tout ce qui est à deux, et à deux dites initié, dites fusion, dites unité. On nous parle ici peut-être que tu viens du département, pardon, 02, ou bien ici c'est ton chemin de vie, le chiffre 2, peut-être aussi ton numéro préféré. Peut-être aussi es-tu né au mois de février ou ton autre est né au février. Ou alors tu es né à 2 du mois ou ton autre. En tous les cas, ici on nous dit que tu vas voir régulièrement des chiffres 2, 22 ou 222. On me dit de te dire aussi aujourd'hui que nous sommes le 22. Donc voilà, tout est lié. On me dit ici peut-être que tu t'inquiètes actuellement parce que tu ne restes plus que 2% de batterie. On me dit, il y a la possibilité aussi que dans ton numéro de téléphone, portable ou domicile, tu as plusieurs fois le chiffre 2.
Et on me dit d'aller voir le chiffre 2. C'est la première fois le chiffre 2, ça ne me parle pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout, mais alors pas du tout. Allez, on y go. C'est fou ça. Allez, chiffre 2 pour certaines personnes. Tout va bien et continuera ainsi. Continue de croire, particulièrement parce que vos sentiments d'espoir amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent stimuler votre foi si vous demandez leur aide. Donc gardez votre foi. Si vous voyez que votre foi elle est un petit peu basse, eh ben, demandez aux anges, aux archanges d'aller voir et de pouvoir t'aider à retrouver la forme de foi que tu avais auparavant. C'est important d'avoir la foi. La foi, c'est l'amour. L'amour, c'est la foi. D'accord. Ici, on nous dit peut-être aussi que tu vas avoir plusieurs deux sur une plaque d'immatriculation de voiture. Et il est fort possible que ça soit le 2WL ou WL2, département 2. En tous les cas, ici, on nous annonce... avec le coquillage, il y a de la communication qui arrive, d'accord? Il y a la communication à laquelle aussi il y aura de l'écoute, du respect, de l'entente, de la compréhension et de la compassion. C'est très bien ça. On adore! Magnifique! Bellissima! J'adore ça, moi, ces énergies-là. On nous dit aussi, peut-être c'est quelqu'un qui va vouloir t'emmener. On l'a dit tout à l'heure, on parlait de vannes. C'était quelqu'un aussi qui va te proposer de voyager ou du moins t'emmener quelque part en un week-end à laquelle c'est quelqu'un, je ressens, qui est très proche ou qui adore la mer. Alors, peut-être il a une maison proche de la mer ou alors une maison de campagne ou alors quelque chose qu'il loue régulièrement. Mais j'entends vraiment la mer, je vois la mer, je vois les coquillages. Voilà, c'est quelqu'un qui aime prendre du plaisir, mais en voyageant. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est casanier, on me dit. Attention, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout casanier. Hein. Plutôt bon vivant, on me dit. Hein. Alors peut-être aussi actuellement, il y a peut-être quelqu'un qui a un coquillage en tatouage ou qui a un collier, une bague, qui a un pendentif. Hein. Peut-être quelqu'un aussi qui va te ramener ou te ramènera un coquillage, tu penseras à moi. Et puis ici, alors ça peut être très bien toi, et tu adores ou tu es fan des coquillages, tu fais la collection, etc., etc. Ici, nous avons le cœur pur, le cœur vrai, hein. C'est ton cœur, c'est son cœur, hein, unicité, encore une fois de plus. C'est possibilité que aussi que cette personne-là, plus tard, t'appelle mon petit cœur, que toi, tu l'appelles mon cœur aussi. Alors, il y en a pour certains, voilà, c'est mon petit cœur, il y en aura d'autres, c'est mon cœur, tout simplement. En tous les cas, il y a une très, très belle connexion. Et il faut garder la foi, tout simplement. Voilà, les amis. En tous les cas, moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Merci infiniment pour ceux et celles qui me sont toujours et toujours fidèles. Les amis, n'hésitez pas à liker, à partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et de t'abonner sur ma chaîne. En tous les cas, les amis, on reste toujours dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour. Amour pour toi en premier temps et d'amour pour autrui ensuite. Ça là est très important. Et puis aussi de prier en tout temps pour les personnes à laquelle que tu souhaites ou bien les associations que tu souhaites aussi. Hein, c'est important. Et voilà, de savoir aider, écouter, aider est vraiment très important. Du moment que toi-même tu es déjà bien dans tes baskets et stable, tu peux le faire. Voilà les amis. En tous les cas, moi je vous dis un grand merci. Je vous envoie des énergies positives. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.